Et c'est là j'en arrive aux chanteurs. C'est que moi j'ai reçu beaucoup de chanteuses, de chanteurs qui, quand ils chantaient, c'était déjà pas mal, d'accord Franchement, c'était déjà pas mal. Sauf qu'ils se faisaient mal, sauf que des fois dans les aigus, ils n'y arrivaient pas trop, sauf qu'il euh, y a des techniques avancées, le vibrato, ces choses-là, ils ne connaissaient pas, sauf que la respiration n'était pas toujours calée, mais comme globalement, quand ils chantent, leurs amis leur disent oh, c'est sympa, c'est pas mal. Euh, ils vont avoir du mal à faire autrement, d'accord Et voilà pourquoi euh, je mets vraiment l'accent sur cette question-là de la prise de nouvelles habitudes, parce que mettre en place une nouvelle habitude, et c'est absolument ce, que vous avez, ce dont vous avez besoin si vous voulez améliorer votre manière de chanter, ça va être de mettre en place non seulement des nouvelles habitudes, mais des bonnes habitudes, d'accord c'est tout l'objet de la technique vocale. La technique vocale, finalement, c'est quoi C'est une bonne habitude de la bonne manière de produire un son.